première. On commence dans le nouvel épisode. Après avoir vu, si on récapitule depuis le début, en fait, on est déjà quasiment au Perek Tet et c'est pas passé grand chose. Si ce n'est que le passage de Yericho, Brit Mila, Korban Pessah, Korban Pessah, et Hamet Yericho, à Achan qui a pris du butin, à cause de la faute de Achan, on a eu une défaite très lourde avec Haï. Yeshua a déchiré ses habits, a su qu'on avait fait une erreur. Après ce qu'a fait Yeshua, il a repris la guerre avec Haï, cette fois différemment. Au lieu d'envoyer que quelques 2000 ou 3000 personnes, il envoie 30 000 personnes. Bémet, le mazal qu'on devait avoir face à la ville de Haraï était mauvais. On devait être déclaré vaincu. Et d'une certaine manière, la stratégie que Yeshua avait faite, c'était en fait de se déclarer vaincu de manière effective. À savoir, il avait mis derrière une partie des guerriers, on était parti par devant, on a simulé une fuite, toute la ville de Haï nous a poursuivis. D'une certaine manière, on a donné la possibilité au sort de se passer. On a donné une ahiza, on a donné une manière au goral, au mazal de la ville de Haï de se passer. Mais au lieu qu'on prenne la fuite à raison, on a simulé une fuite. Et à ce moment-là, Yehoshua prend le kidon, prend la lance, étant là en direction de Haraï. C'était en fait le signal pour ceux qui étaient à l'arrière de prendre possession de Haraï. On a gagné la guerre face à la ville de Haraï. Donc, on avait dit que d'abord et avant tout, le sujet et l'enjeu de la guerre avec Haraï, c'était la réhabilitation de Yehoshua et de Am Israël, après avoir profité du butin lors de la guerre des Galiléens. Et maintenant, là c'est un exemple classique et de voir qu'on ne peut comprendre la Torah qu'à l'appui des Nevi'im, ce qu'on va étudier aujourd'hui. On sait tous que dans la parashat Kitavo, mon cher Rabbeinu, dans le mois de Rosh Chodesh Shevat jusqu'à Zayin Adar, de tous affaires de Varim, il nous a donné toutes les mitzvot qui sont propres à l'Eretz Israël. Parmi elles, il y avait Kitavo et l'Aretz, il nous dit Al Gerizim ve Al Aivan, et ta Belacha ve ta Kelala. Il a dit quand tu passeras le Jourdain, la Karta Avanim Shelemot, tu feras dessus avec ces pierres-là un Mizbeah, tu écriras, tu prendras des Avanim, tu écriras dessus la Torah, tu mettras dessus de la chaux. Et il m'a rappelé dans le mois, est-ce que d'abord on met la chaux, après on écrit, d'abord on écrit, après on met la chaux. Et il y aura baiser Shiv'im Lachon. On devra écrire la Torah, Ba'el Aitel, mais Shiv'im Lachon. Ça, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, comment cette chose-là va être accomplie par Yehoshua. Et au détail près, on va devoir comprendre dans quel ordre cette chose s'est faite. Alors je vous lis, on est page 1. Page 1, on va lire Pasouk. On va commencer même par Pasouk Kaftet. C'est une remarque qui va être la conclusion de la guerre de Haraï. Et Melech Haraï tala al ha'etz ad et ha'arav. Chouva shemesh tibay Yehoshua yorid et midato min ha'etz. Yashlichu ota al petach shara la'ir. Yakimu alav gal avanim gadol ad hayom hazeh. Melech Haraï. Ah, vous l'avez pas? Non. Mehila. Ah, on t'écoute. Oui, ça a été photocopié de manière indépendante de ma volonté, ça a été coupé en deux. Le Melech Haraï a été pendu. À la fin de cette guerre contre Haraï, le Melech Haraï a été pendu. Le Pasouk prend la peine de nous dire que Yehoshua, avant la Shkira, avant le coucher du soleil, il a descendu de la potence. C'est une question à vous poser. Mais vous savez qu'on a vu cette halakha de l'Otalin Niflato à la Haïti. On a un tzivoui dans la Torah, par un chef qui t'est
נוטלים נבלתו על העץ, כי כבורת קברנו בימהו, כי קרירת אלוהים תלוי. רש"י נודי, ארבע מיטות בית דין, כבין כפי אופן, כהן זקנים נתלין, רש"י לתחיל קבע, פסולון לשיטת ההלכה, פסולון לשיטת הרבה, כי דיק כתוב פרסון הכי פסיב לסקילה, de lapidation, à la fin aussi il est pendu. Mais une halakha, attention, tu le pends 5 minutes avant l'ashkara et après tu l'enlèves. Pourquoi ? C'est bizayon pour Akadosh Baruch Hu que sa créature soit pendue. Rachid apparemment le machal, comme si le roi il a un jumeau et on prend le jumeau, on le pend. On dit, t'as vu le roi, on l'a pendu. Mais non, c'est pas le roi, c'est son jumeau. C'est son jumeau. C'est la Meloki. Pourquoi le pend ? Il a fauté. Ishbehet o Yumat. C'est le bizayon. C'est bizarre, mais on minimise le bizayon au minimum. Minimum. C'est-à-dire que. Faire l'acte, c'est quand même. Ça va parler dans la rue, quoi. Pas beauté, non. Il faut être clair. Quelqu'un qui a fait un acte avec Aïdim et Atrala, il doit subir et assumer les conséquences. Ça, c'est facile d'arriver à la fin en disant c'est un peu dur. Bon, d'accord. Bon, là, je vous ai fait l'histoire qu'avec la fin de l'histoire. Mais avant. Personne n'avait dit, tu sais, si tu fais Hilul Shabbat, tu es passible de mort. Il dit, Afal Pichel. Tu sais, si tu fais Hilul Shabbat, tu es passible de ce qu'il a, au Beddin. Afal Pichel est torqué de Dibour, où il le fait, de la Tra, il fait tout de suite le Marasé. Et Kalou Kolakitim. On parle aussi de Hazon Ish, nous dit qu'on parle d'un moment où la Nevoa était visible, les Nevi'im étaient Mitalchim et Tochenu. Il y avait un moment de la Shabbat Shrina tel que quelqu'un qui voulait faire malgré tout une Melacha, Hilul Shabbat, c'est quelqu'un qui vraiment. Celui-là, il a été passif, il devra subir des conséquences. Mais on le pense 5 minutes en le disant. Mais c'est vrai pour les Bnei Israël. Mais on le pend mort, excuse-moi. On le pend mort, ouais. On a fait ce qu'il a, après on le pend. C'est vraiment bizayon, pour lui faire bizayon. Pour lui. D'accord. Maintenant, pourquoi on voit pour Melech Haray, on fait ça, mais c'est un goy. Très bien, tu peux dire. Oui, dit le Ramban au parachat qui était Tseh, il douche, c'est Bidien Eretz Israël. Eretz Israël, qui est une Eretz Kedosha, ne peut pas supporter un tel mépris et une telle honte pour une créature. C'est pour ça que même s'il est juif ou non juif, ça n'a aucune importance. Ce qui est Gorem, Amakom Akadosh Gorem. Eretz Israël est une Eretz Kedosha. On ne peut pas supporter des abominations pour n'importe quelle créature que ce soit. C'est pour cela que Yehoshua dit. Et la preuve de ce que je dis, c'est que Yehoshua, à chaque fois qu'il va prendre Melacha, plus loin quand on va lire les 31 Melachim, toutes les personnes, on va les prendre, mais le prochain péril, c'est Hamisha Melachim, on va les prendre, mais juste après, on va les descendre, on les prend 5 minutes avant l'Ashkira et on les descend pour ne pas qu'il y ait Bizayan. En Eretz Israël, Eretz Israël, on ne supporte pas. Pour les enterrer après. Pour les enterrer, on va voir, c'est ce qui est marqué. Kimu alav gal avanim adayom azim. C'est une manière d'être enterré. Ça, c'était juste conclusion de Mikhan et Taran. Alors, je vais vous lire quelque chose que vous n'avez pas. Az ibne Yehoshua misbeach Hashem lo Israël be'ar Eval. Az, Yehoshua va construire un misbeach be'ar Eval. כאשר ציווה משה עבד השם את בן ישראל, ככתוב בספר התורת משה מזבח אבנים שלי מאוד שלא ניפה מברזל, ויהיו עליו עולות לשם ויזבחו שלמים. הוא אפשר לבע עדי עולות, עדי שלמים, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, אשר כתב לפני בן ישראל, ואולי באמת נורדו בצפי. אילה יפחיל אבא לפייר, במקד לה, ותרונסקי תורת משה אשר כתב לפני בן ישראל. כל ישראל זה כנב שוטרים, שוטריו עומדים מזיון וזה לארון נגד כל מודים, עושה אבא בלית השם. כגל כעזבח, חצו אל מול הר גלזים, חצו אל מול הר עיבל, אשר ציין משה עבד השם, ואת העם ישראל בראשונה. אחר לכן כאן כל דברי התורה בלכה וכלל, ככל התורה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציין משה, אשר קרא יהושע נגד כל ישראל, אשר נתן והגר הולך בקרבה. ונפה, תוס המעמד, כספר למעמד דהבלכה והכללה, הר גלזים, הר עיבל. Regardez, j'ai photocopié la page 2. Alors, la page 2, ce n'est pas la page 2 effective, c'est une deuxième photocopie que vous avez tous rajouté. C'est la page où il y a une page de Tanakh entier. Mm-hmm. Regardez, j'ai photocopié la parashat Kitavo, dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous donne le tzivouï de faire le Gerizim Areva. Je lis. Pasouk, le début de la vie. Va être ça, mon Israël, ta âme, les morts. Shamor, et quand même, ça va être un moyen. Regardez cette mitzvah. Laquelle?
Derrière, Bayom, écoutez bien. Bayom, Asher, Ta'avro et Ta'yarden, Va'akemotan et Ha'avanim Gedolot. Le jour où vous passez le Jourdain, vous devrez faire le Mizbéa. Je saute. Derrière, regardez, pas sous Dalet. Derrière, Be'avrechem et Ta'avnet, Akimo et Ta'avanim, Alech, Shah, Nochem, Zaytrem, Ayom, Be'arayva, et Sadtot. Vas-y, Vanita Shah, Mizbéa. Continue, va être appelé Moshe, va connaître le bien que l'Israël, ce qui touche à Israël, va être Moshe et Tabi, et on va dire, et on dit ici, qu'est-ce qu'on devra dire? Aour, Aesh, et Asse, Fesson, Masecha, on dit la personne qui fera Vodazara, Aour, Makla, Vivimo, celui qui méprise ses parents, Masig, Gevoul, Rehu, qui roule son prochain et qui lui prend son travail, Mashgia, Iver, Badarer, qui fait trébucher qui que ce soit, et qui lui donne un mauvais conseil, Maté Mishpat Geriatan Bealmana, Shohad, quand on dit Arayot, et à la fin, Arou Makere Ehu Bassater, c'est la Shonara, Arou Asher Loker Shohad, Arou Asher Yakim. Question à vous poser. Quand est-ce ce Mahamat qu'on est en train de lire ici, que Yehoshua, chronologiquement tel que ça apparaît dans le Navi, on a commencé par, comme ce que je vous ai rappelé, les Miraglins de Yericho, le passage du Yarden, Ilhemet Yericho, Ilhemet Ta'ai, et maintenant, on fait ce Mahamad de Har-Gerizim à Har-Eval, 6 Shevatim devant Har-Gerizim, 6 Shevatim devant Har-Eval, et on va dire d'abord les Baruch, Baruch Asher Yakim et Divra Torah, Baruch Asher Loish Gei, Yishgei Zer Badarach, et tout le monde dit Amen, après on dit Arour, et tout le monde dit Amen. Et pourquoi est-ce qu'on le refait aussi? On l'a déjà fait une fois. Non, parfait, justement. Yikiri, c'est le temps qu'il y a des questions ici, c'est le tzivoui de le faire quand nous rentrerons en Eretz. D'ailleurs, dans Yoshua, on ne répète pas les bénis libres, quand il y a l'autre. Non. Référez-vous à ce qu'on a dit. 14 heures, c'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit que le premier chiant qu'on avait fait, on dit si on n'avait pas fauté, les seuls livres qu'on aurait reçus, c'est Hamisha, Hamisha Torah et Sefer Yoshua. Pourquoi? Parce que dans Sefer Yoshua, et par Hashat Mishpatim, qu'on a dit cette semaine, et Ne Anochi, Sholeach Malach Lefanecha, le Shishi, le Bokhon nous annonce, je vous envoie un Malach. On l'a vu. Harbo, Shelufa, Beyado, Yomer, Anatayim, Imlitzalem. On va expliquer ce que le Malach que Yoshua rencontra Yericho, c'est le Malach que le Bokhon nous avait annoncé dans Parashat Mishpatim ou c'est un autre Malach? C'est une autre illustration du complément entre Sefer Yoshua et la Torah. Alors ici, c'est la suite. Torah nous demande, faites la mitzvah d'Har-Gerizim et Har-Eval lorsque vous rentrez en Israël. Et vous savez qu'on le voit ici. Question. Quand est-ce que ça s'est passé alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Az, Yivni Yoshua, ça veut dire quoi? Az, en général, Az. Ça veut dire maintenant et pas avant. Jusqu'à présent, il s'est passé telle chose. Maintenant, on l'a fait et pas avant. Étonnant. Alors pourquoi, si on l'a fait de deux choses l'une, soit on l'a fait avant et pourquoi ça apparaît maintenant? Soit on l'a fait maintenant et pourquoi on ne l'a pas fait avant? Géographiquement, ce qu'on a passé à Yericho, on a passé à Haï. Ils avancent les Israël, ils arrivent au Har-Gerizim, au Har-Eval. Ils y arrivent. Le Har-Gerizim, le Har-Eval, c'est dans les terres. C'est vrai. C'est après Yericho et après Haï. Ouais. Donc comment ils pouvaient le faire juste après le Jourdain? C'était pas possible. Ah, c'est pas parce que c'est mon beau-frère, mais c'est dit. Regardez page 3. C'est la team sans fâcherie. Et vous êtes synchronisé avant. Ah oui, c'est sûr. J'aurais peut-être des questions que vous pouvez les poser. Elon Morel, on voit les... Oui, exactement. Voilà. Regardez page 3. Ouais, c'est truqué. Voilà, tournez la page. Voilà, par la chambre à Sechet Sota. Bo-ur-e. Vous l'avez? Oui. Bo-ur-e kaman... Par la Sechet Sota, la femme de la Moudalef. Bo-ur-e kaman issim... Le jour où on a passé le Jourdain, il y a beaucoup de nissim qui se sont passés. Lequel, par exemple? Écoutez bien. C'est ce que vous entendez, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Le criquet. Je vais affoler toutes les personnes qui s'approcheront devant vous. Ça veut dire quoi? Am Israël qui a passé le Jourdain, quand il aura fait un Nes, ils ont fait Shishim Mil,
la distance que tu faisais remarquer, je ne sais pas combien de kilomètres. 1000, c'est plus d'un kilomètre. C'est les 1000, les miles. Non, ça fait combien? Combien de kilomètres en c'est 90. Très bien. Alors, on a fait, il y a eu un S. Kakadu Wakou nous a fait aller à Al-Galezim al-Aqbal. On a fait la mitzvah de Misbeh Avanim. On a fait Eli Amdou al-Aqbal al-Aqbal. Et après, on est revenu aujourd'hui. VL, on expliquera deux minutes. Pourquoi vous voulez, oui, oui. Arrêtez-nous, je vous en prie. On va en parler. J'en parlerai d'ici la fin. J'ai deux interprétations uniques à vous donner pour ça. J'ai vu marquer nulle part, mais j'ai entendu à l'échelle deux explications extraordinaires. Mais en tout cas, déjà, à la question que j'ai posée, comment est-ce possible? Quand on vous a dit, et on voit que finalement, on l'a fait bien après. Et le Navi nous dit, dans ce que je vous ai lu, que on a, regardez bien, Pasuk Lamedhe dans la première page, Lo Hayad Avar Miko Asher Tziva Moshe Hashem Lo Kara Yoshua Niyeh Bezan. Pas seulement, il n'y a pas une chose que Moshe a dit à Yoshua de ne pas dire qu'il n'a pas fait. C'est aussi l'air de dire, Yoshua a fait tout ce que Moshe Rabbeinu lui a dit à la lettre. Il n'a pas manqué, il n'y a aucun manquement dans tout ce qu'a fait Yoshua. Mais on voit, il l'a fait plus tard. Il fallait faire le jour du passage Jourdain. Réponse, oui. C'était fait le jour où on a passé le jour. Alors le Az, du coup. Bon, on va y arriver tout de suite, pardon. C'est Az, genre au passé. Az au passé, il y a fait mieux. Az, ça peut être Az, il venait Yeshua, c'est comme si tu dis alors que Yeshua avait déjà fait. Az, il venait Yeshua, ce que Yeshua avait déjà fait. Très bien. Qui met Az? Je l'ai compris, c'est bien. Mais, laissez-moi vous dire. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que, sauf, on sait bien que si ça s'est passé au moment où on a passé le Jourdain, pourquoi ça apparaît maintenant? Perikhet. Ça aurait dû être marqué immédiatement. Très grande question. Mais pourquoi Dieu est obligé de faire un miracle comme ça, là, qui trois ébrouillés, son miracle? Très bien. Alors, à cette question-là, pourquoi elle a fait ce miracle-là? C'est pas difficile, je peux vous répondre. Que la Torah, comme ce qu'on a mentionné, si le pasouk dans la Gemara, Vehan moti et kol ha'am shel tavo b'hem. Kadosh Baruch Hu, vous avez promis que lorsque nous rentrerons en Eretz Israël, il va étourdir tous les peuples de notre venue. Comment? En faisant quelque chose d'étonnant. On l'a dit dans la parasha de la semaine. Vegam et tatsira yeshallah Hashem elokecha bam. Le Baruch Hu m'a envoyé Kemin Auf, dit Rashi. La guêpe. Une guêpe, quelque chose qui va attaquer tous les habitants de l'Israël. Rachid nous dit sur place qu'il s'agit de la guerre de Mohamed Sihan Biraouk. Ce n'était pas de l'autre côté du Jourdain. Le Ramban ne nous dit pas du tout. Il est question d'une guêpe que Akadol Baruch Hu a envoyée lorsqu'on a fait la guerre contre Hashidoshim et Ahal Melachim. Ça nous a accompagnés en Eretz Israël. Ça fait partie de Veham Moti et Kolaham. J'ai étourdi, j'ai impressionné. Mehuma, c'est tout le monde est affolé. Je vais affoler tous les Shiva'a. Alors, dans ce cadre-là, quelque chose de il voulait nous faire rentrer. Alors, il a fait ce miracle qui, a priori, on va expliquer à la fin, est superflu, mais il a une utilité de montrer notre superpuissance. Très bien. Maintenant, ça m'embête parce que je vous ai mal photocopié la première page de Malbim. Le Malbim, dans la première page que je vous ai mal photocopié, le Malbim nous fait remarquer que, en fait, les psukim, c'est la partie qui est mal photocopiée, c'est la deuxième moitié. Ce que vous avez, c'est la deuxième partie. Mais le Malbim nous dit, et le Levaron le rejoint, je n'ai pas photo que le Levaron, mais les deux disent la même chose. Et il fait un diouk très intéressant. Regardez dans la page 2 du Tanakh que vous avez photocopié. Regardez le diouk. On dit, va être Moshe Ben Israël et Ta'anema, Shalom Kol Amizra, Shanofet, Sayed Kama Yodaya, Bayom Asher Ta'avro et Ta'yarden. Dans la souk bête, il y a un ordre, Bayom Asher Ta'avro et Ta'yarden. Tandis que, juste après, dans
pas sous guillemets par exemple. Be'ovrechem. Be'ovrechem. Bayeb, be'ovrechem et terre. Il m'a dit, mais j'ai pas compris. C'est quoi Bayeb? Pourquoi il n'a pas marqué Bayeb? Pourquoi il y a marqué be'ovrechem, be'ovrechem? Dis-le, Malbim, c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'au jour où vous passerez, quand vous passerez. Exactement. Il y a quelque chose qu'on fait le jour où on passe et quelque chose qu'on fera après avoir passé. Be'ovrechem, après avoir passé, qu'est-ce que vous allez faire? Et on sait, c'est quelque chose sur lequel nous ne nous sommes pas attardés. Mais quand on a passé le Jourdain, on a fait 12 pierres. On a été ma'amidim, 12 pierres à l'endroit où les Kohanim ont mis leurs pieds. Après, on a mis aussi 12, on a mis des pierres juste à la sortie du Jourdain. Ça, on l'a fait. Mais les Avanim Gedolot, Har Gerizim, Har Aival, le Tzivoui, l'ordre n'était pas de le faire le jour où on a passé le Jourdain. Le Tzivoui, c'était de le faire après avoir passé. Quand? Quand on y arrivera. Comme ce que vous avez posé comme question. C'est loin. C'est loin, Argerizim Areval. Il y a une chita dans la Gemara qui dit que Argerizim Areval, il y en a qui disent que c'était deux monticules qu'on a fait de manière artificielle. On a mis plusieurs pierres et on a fait deux monticules. On a fait un petit marmat pour accomplir ce qui a été dit dans la Torah. Ou alors, parce que, comme ce que tu as dit, c'est sûr que Argerizim Areval, c'est loin. Alors, on a dit premier tirout, il y a eu un S. Deuxième tirout, sinon il n'y a pas eu de S. On a fait quelque chose le jour où on a passé le jour, hein, mais on savait que le Icar du Mahamad, l'essentiel de toute cette. On va dire ce rassemblement, ce sera uniquement lorsque nous arriverons de manière effective à Abdirizim Arrival. Et ce pour cela. Alors pourquoi Bayom Asherta Avrou? Bayom. Alors Bayom Asherta Avrou et Tayardan, Malbim nous dit, je te dis ce qui a été fait. On a fait exactement, on a fait un petit hôtel à UTEL. Et ensuite, on a fait Avanim chez les morts, on a écrit la Torah, Vechoulé. Il y a eu deux Mahamadot de cet épisode de la Torah. Donc on voit encore une fois comment, quand tu lis la Torah, c'est quelque chose de Satoum. Et la manière dont tu lis Yehoshua, ça va être déterminant de comprendre qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a demandé à Yehoshua. Quand tu lis dans la Torah, tu ne sais pas. Mais une fois que tu arrives à Yoshua, tu te rends compte que Yoshua, il n'a fait qu'après Milhamet Elikha. Encore après Milhamet Arad, tu dis finalement, alors j'ai pas compris. C'était le jour où on devait le faire, c'était bien après. Et on voit que les deux chitotes qui existent dans la Gemara, elles apparaissent dans Yoshua aussi, dans les Mefarshim de Yoshua. Bon. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante. Quel est le sens de ce marmal? Quel est le sens de cette. De cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Donc, on nous demande Har Gerizim, Har Eval, vous prendrez, vous ferez un hôtel, vous ferez Zibahim, vous ferez des Shelamim et des Rolot. Pourquoi on doit faire ça à l'entrée de l'Israël? Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout s'ils ne l'ont pas vraiment fait. Non, ils l'ont fait. Après là, maintenant, on l'a fait de manière effective. Mais quelle était la teneur de ce tzivouï, de ce commandement qu'Akadosh Baruch Hu nous demande? On marque notre passage. Non? Si, il y a Choliot, mais la question c'est pourquoi c'est quelque chose qui est tellement important de faire dès notre entrée en Eretz Israël. Bah, c'est un petit peu le. C'est comme un drapeau. C'est un petit peu la drapeau. Déclaration du système judiciaire en Israël, de dire voilà ce qui arrivera à celui qui transgresse ceci, qui transgresse cela. Par contre, celui qui fait ceci, cela, il sera béni un petit peu pour donner les valeurs, même au niveau le plus. Le plus simpliste de la chose pour donner les valeurs et dire voilà, ça c'est nos références, c'est nos valeurs et là-dessus on se base. Et à partir de là, on peut. C'est comme si maintenant l'histoire elle commence. Voilà, exactement. Je vais vous donner deux réponses qui vont un peu rejoindre ce que vous dites. L'une du Rav Kook et l'autre du Lev Aharon en s'appuyant sur une Gemara très étonnante. Écoutez, regardez dans page 4, dans la Sefat Shabbat. Là où j'ai souligné Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Vous l'avez pas? Voilà, ici. Kol HaOmer. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol HaOmer Reuven Hatay Noel HaTorek. Toute personne qui affilie à Reuven, le fils de Yaakov Avinu, une faute grave d'être parti avec Bilha, et Noel HaTorek, c'est une grave erreur. Je n'ai pas, mais Yuben Yaakov, je n'ai pas ça, mais la mèche, je ne connais pas. למה אני מקיים ויש כאלה את בילה כדי גשבי? ולמד שבלבל מצאו של אביו.
le fait qu'il se soit immiscé dans le choix de où c'est que Yaakov allait dormir, c'est quelque chose de tellement gravissime que on lui attribue comme s'il était parti avec Bilhah. Regardez quelle est la réaïa de la Gemara, comme quoi c'est sûr qu'Iréhoven est un tzaddik. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mutsal auto tzaddik me auto avon. D'où savons-nous que Réhouven est acquitté, il est blanc, Velo Bama Ases Eliado, Efchar Atil Zaro la Amod al Har Eval, Velomar Arur Shochev in Eshet Aviv, Velo Het Zeliado. Est-ce possible que Réhouven, lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, on sait que Réhouven était parmi ceux qui étaient devant Har Eval, Har Gerizim, c'est la Belacha, Har Eval, c'est la Kelala. Réhouven était du côté de Har Eval. Est-ce possible que lui va dire, Bekolé Kolot, à gorge déployée, Arour, Shochev, et Eshet Aviv, Ve'ana Kolam, Amen. Et c'est la même personne qui a fait cette même abomination. Jusqu'à ça, c'est pas les paroles avec moi. Qui coule. Au contraire. Alors. Moi, j'ai toujours compris que c'est affilié. Il y a aussi sur la violence. Et on voit Lévi et Shimon aussi. Shimon, Lévi, je sais pas. Je m'en rappelle, mais Shimon, il allait chez Shimon. Shimon, il n'y était pas justement. C'est ce qu'on dit que tous ils sont mentionnés, sauf Shimon qui était ni Meverer, ni Mekalalal. C'est vraiment méchané. En tout cas, Réhouven, on est mochir que Réhouven, c'est sûr qu'il a eu aucune digression avec Bilhah. Pourquoi? Parce qu'il va être à l'entrée d'Eretz Israël. Il va dire à Rochochem, il m'échète à lui. Mais quel rapport? En plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire ce Mahamad de Al-Gerizim, Arival? Pourquoi est-il tellement important? Regardez l'explication de Rachouf dans El Ayah. Vous voyez, il appelle celui que. C'est un rôle de l'alcool déjà? Oui. Pourtant, c'est pas écrit. Je pense que c'est Paraja se priver. Non, ce Paraja, il est marqué sur les deux daïms ou la carte rapide. Non, sur la Médra. Quelle est ta question? La question, c'est que. Ah, c'est peut-être pas Réhouven, je me trompe, mais. C'est Réhouven qui était avec. Bila. On est Talmide Hazal, Talmide Moshe Rabbeinu, Moshe Kibano et Tatora Bessinaï. Et à Kadosh Baruch Hu. Ça te met l'impression. Et à Kadosh Baruch Hu a tout transmis à Moshe Rabbeinu. Et il a dit à Moshe Rabbeinu l'explication de ce que j'ai dit dans la Torah dans Vaishka avec Dina Kudegashavit. Ça veut dire qu'il s'est immiscé dans le choix de la chambre où Yaakov allait dormir. Il a suggéré à Yaakov à venir dormir dans un endroit plutôt qu'un autre. Le fait de s'immiscer dans quelque chose d'aussi intime entre Yaakov et ses femmes, on attribue à Réhouven comme si Vaishkav et Bilhah et Geshavit. Merci pour cette explication, parce que en définitive. Il y a deux ponctuations, d'ailleurs. Voilà, il y a deux termes, Vaishkav et Bilhah et doigts. Ah, on ne peut pas faire tout à tour sur un pied. Donc, c'est juste. Regardez cette explication du Rav Kook dans Al-Aya. L'explication en un mot du Rav Kook, on va la dire. Mais elle est de dire que parfois, on dit tel père, tel fils. Ça veut dire, tu vois le père, tu vois les midotes du père, et tu te dis. Si je vois que le père il est comme ça, je comprends pourquoi le fils se comporte de cette manière-là. Ici, c'est l'inverse. Ce qu'on appelle Or Yachar et Or Hozer. Ici, si le fils va être à l'entrée d'Eret Israël, si les petits-enfants de Réhouven vont être à l'entrée d'Eret Israël devant le Har Eval, il est impossible que leur père ait ce défaut. C'est quelque chose de tellement profond. C'est une faute tellement gravissime que si ces plus arrière petits-enfants vont être debout devant le Har Gerizim, le Har Eval, ils vont dire Arum Shochev Imeshet Aviv, que impossible que chez Réhouven il y ait ce manquement de Arum Shochev Imeshet Aviv. Regardez comment c'est écrit ici. Mais par là même, le Rav Kook explique que. J'ai posé la question, pourquoi ça arrive à l'entrée d'Eretz Israël? Réponse, à l'entrée d'Eretz Israël, on veut. Le mettre. Introduire. Inculquer et graver au sein de chacun des Béné Israël les midot tovot, les midot peshutot et tivayot les plus simples, qui sont Arur Shochev Meshet Aviv, Arur Kehar Shochev, Arur Mashgi'i Verbadarech, Arur Ma'akot Nefesh Damnaki, toutes ces choses-là qui sont, par exemple, il n'y a pas marqué Arur Meshet Maniyat Tfilin, Arur Meshet Mechat Shabbat, l'éthique. Les choses qui sont moussard.
la morale, l'éthique, les choses qui sont les plus bessissiyim. Si les Shiva Amamim étaient touchés par beaucoup de Negar Sarat, ils avaient beaucoup de lèpre et Beikar, des Mitot Ra'ot, que ce soit dans la Avodazara, que ce soit dans les Arayot, comme ce qu'on avait commencé. Am Israël, en rentrant ici, la première Amira qu'il dit à son entrée dans le premier pas qu'il fait en Eretz Israël, nous, c'est d'abord une Hatzhara de Midot. D'où on l'apprend que c'est une déclaration de la Tohara Midot, de la pureté des Midot de Am Israël, de ce rapport que la Gemara dans Sota, que la Gemara dans Shabbat, Daphne et Amoudbet fait entre Réhouven et ses derniers petits-enfants. C'est pas quelque chose, c'est pas un simple acte d'aller avec la femme de son père, c'est pas seulement un simple acte. Bon, il a fait une Avera. Il a été Mechalel Shabbat. C'est gravissime. Mais une Avera comme ça, c'est une Avera déjà qui touche à l'éthique. Quelqu'un. Qui tâche. La morale la plus. La morale la plus basique. C'est pas quelque chose de tellement. C'est même Peshut et Ham comprennent que c'est pas quelque chose à faire, quoi qu'il arrive. Et donc, à l'entrée des Rêtes d'Israël, pourquoi on a fait ce Mahamad de réponse? On veut dire quels sont toi, Ramidot, qui sont Kayemi Be'Ham Israël. Regardez ce que je vous ai souligné. Gama Matara Aliona. C'est trois lignes ce que j'ai souligné. Gama Matara Aliona, chez Shata, Chokma Eloïd, et chez Sibéva, chez Auma Azot. הנבחרת להיות לעם קדוש לשם תהיה מצוינת בעומק טבעה לקדושה תכונית על פי מורשת אבות. Il faut que עם ישראל soit remarquable par les midot qu'il a reçu de Abraham, Yitzhak et Yaakov et de Reuven, Shimon, Levi. היא הטביעה ביותר את חוזק הטבע מנפשות ראשי גזענים לשורשי הקדושה והצד הכלל. העד שלא ייתכן שתניח חפצה מידה לפגום את כל יסוד מגמתה. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré au plus profond de nous, alors on peut dire que si c'est les petits-enfants de Réhouven voient devant la Réval, c'est sûr que chez Réhouven, il n'y avait aucune tâche de ce côté-là. C'est-à-dire que s'il y avait une tâche, ça n'aurait pas pu être en Réval. Oui, mais ça veut dire. Mais c'est, ça va que d'un sens, c'est vrai, c'est ça la raïa d'Agmara, comme tu dis. Mais on vient, nous en Eretz Israël, avec le bagage des mitzvot de Rabbi Tzachia. Avant même l'accomplissement des mitzvot, on vient avec les mitzvot remarquables que connaît Am Israël, Baishanim, Lahamim, Yolim, Hassadim. Mais dans les ancêtres de ceux qui sont rentrés en Israël, de tout là, il y a eu quand même des salades. Bien sûr. Mais en fait, pas au niveau des noms des Shvatim, pas Reuven, Shimon, Levi, machin. Mais les générations précédentes, il y a eu une salade dans tous les sens. Non, là qu'il y a le Behira Hofshit et. Non, mais ça qui la chose sur laquelle je voulais m'occuper, c'est question, pourquoi on a fait ça entre les Rêtes Israël? Réponse, Midot. Par quoi c'est illustré? Par le rapport de la Gemara dans Shabbat Mouné entre Reuven et son Shevet qui va être devant la Harabad. Mais le Rav Kook, il a l'air de dire, il parle de Chosek Ateva Rosh Gizaenu, les Shorsha, Kdusha, l'ADN, quoi. Exactement. Je n'ai pas voulu le dire pour ne pas faire les trop grands mots, mais il parle ici du Geza Amoar, de la moelle épinière de Ham Israël. Il est question ici de l'ADN, du génotype de Ham Israël. C'est quoi le génotype de Ham Israël? C'est Abraham, Tzak, Yaakov. C'est les mitzvot qu'ils ont gravées en nous, les Dorot Olam. C'est pour ça qu'Adke Descartes, c'est le prochain Pérec. C'est peut-être la question que je vais vous poser après. Il y a des imposteurs qui vont venir, qui vont nous dire on a du pain rassis, prenez-nous en tant que Hotver et Tsim et Shoavimaim, en tant que coupeurs de bois et fuseurs d'eau. Givronim. Ils se sont déguisés parce qu'ils savaient que l'on devait les tuer. En tout cas, ils devaient ou partir, ou. Ils ont rusé. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Am Israël, la Hamanim, c'est sûr qu'ils vont nous recevoir. On va venir, on va leur dire. On va faire la miskanim. On va faire la miskanim, ils vont nous recevoir. Makara, je me suis comme. On les a reçus. Ahmed, c'est comme ça. Et c'est tout, de toute génération, dans Melachim Aleph, Perek, Kafalef, Kafbet, Ben Hadad, qui était l'ennemi juré de Ahav. Ahav devait détruire tout le peuple de Ben Hadad. Ben Hadad, il est arrivé, il a dit écoute, je t'en prie. Épargnez-moi.
s'il te plaît. Je sais que malgré ça et malgré Hesed, je sais que malgré Hesed. Aham vient regarder et il a dit, c'est quoi? Je t'ai parlé. Pourquoi? Malgré ça et malgré Hesed, finalement, qui c'est qui va tuer Ahab? Ben Hadad, il a dit, on va faire une guerre. Il dit à tous ces guerriers, je veux que vous tuez, personne ne m'intéresse, je veux que Ahab. Arzé Amra Agmara, Kol Shem Merahem ala Achsarim, Sofo, les Arzé ala Rahmanim. Et c'est ce qu'il va faire juste sur cet épisode qu'on disait. Sur cet épisode, parce que juste après, qu'est-ce qu'il va faire Ahab? Ahab, il va confisquer à Navot, son cousin, sa vigne, et il va le tuer parce que son cousin n'a pas voulu lui donner sa vigne. Et celui en qui il a eu pitié, il va l'assassiner avec une flèche en plein cœur. Comme quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Malgré ça, notre Hesedhem, il faut avoir. Trop beau. On est bon et parfois trop bon. Comme ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Shaoul, Al Tehi Tzaddik Harbe. Même Shaoul, on est avant pourri. Al Tehi Tzaddik Harbe. Sois pas trop tzaddik. Trop tzaddik, tu as voulu épargner. Quel rapport avec pourri? Shaoul, Agag, Malek, le arrière-petit-fils de Agag, c'est. Vraiment. Je connais pas la parade. Jusqu'au moment où Shmuel est arrivé, Vaïchassef, il l'a déchiqueté à Gag. Comme ça s'entend. Vaïchassef, et on dit que la nuit, il a eu le temps de voir quelqu'un pour faire Raman. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en Israël, le génotype de Amisraël, on a le Hesed. Rahmanim, c'est l'oyazor shum d'Abraham. Malgré tout, et depuis le temps d'Abraham avec nous, toujours le rabbi Shem Shilitsky, chez Yébari, Shem Shabon et Foshleba, dit que toujours on vient, on dit à Israël, en guerre, on prend trop de risques à nos dépens. On dit, on ne tue pas les civils. Il dit, déjà du temps d'Abraham avec nous, il a trouvé un midrash rabbin, déjà du temps d'Abraham avec nous, lorsqu'il faisait la guerre pour aller sauver Lot, il a voulu sauver Lot, mais pas au prix des civils. Il a été prêt à se mettre en danger à ses dépens pour ne pas toucher les civils. C'est comme ça qu'il faut faire tout le temps, loi Marty. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut comprendre chez Amisraël. Amisraël est remarquable par sa morale et par son éthique. Mais surtout à l'époque, encore aujourd'hui, bon, c'est à la mode, on va dire, mais à l'époque, c'était Dvarim al-Gabed. Surtout qu'on a commencé, on a dit que la première guerre de Yericho, on a dit que la même épée avec laquelle on fait la prédicat, c'est l'épée avec laquelle on fait la guerre. C'est-à-dire que notre guerre, c'est pas une guerre pour faire la guerre, c'est une guerre contre la guerre. Tout en Israël, c'est uniquement au Fa'at, Amidot, Tuvot, Vea Tahara, Vea Kdusha, Zema Shevan Lofi. Donc c'est une première explication pourquoi on a fait la guérison à Réa. Maintenant, regardez les Vaharon, page 6. Oui, alors page et vous devez. Ouais, concentrez-vous sur la page 7. Moi, je vais vous lire deux lignes de la page 6. Onomar Bézé. Je vous lis la page 2 lignes de la page 6. Après, on va s'occuper de la page 7. C'est une phrase. Kvar yadata retzon la el yidbarach le'arot la'em l'Israël atnaim asherim tzachim la'em l'ikanes l'eretz hakdosha. Pourquoi on doit faire cet épisode-là de Gerizim arriva à notre entrée d'Eretz Israël? Regardez en haut de la page. Ha'ehad, là je vais passer page 7. Ha'ehad, Kabbalat Elahuto Ibarach Alehem. Vezé, mi peneyot en Hashem Tamidba. On a fait un ma'amad de Kabbalat en Malchut Shamayim. Har Gerizim Arreval, à la hauteur de la providence de la Kadosh Baruch Hu qui est en Eretz Israël, Shrat Shechina, on doit faire un Kabbalat en Malchut Shamayim. Ha'en oish kinu bazou la tiat vekim imo Ibarach. La sheni, Kabbalat à Torah. Comme ce que vous avez dit. Pourquoi on a fait ça? Pour annoncer que notre arrivée en Eretz Israël, c'est pour accomplir la Torah et les mitzvot. Regardez, je saute. Velazé. Be'et asher ba'u Israël ikanes la'aretz ratza l'idbar she'ikablu et la'auto idbar v'idabgu imo. Velazé tziva otan. Divnot misbeach me'avna yarden she'yuru al'anes la'avod auto idbar. Velazé ekrivo alav olot. Prendre des pierres, faire dessus des korbanot shem gormim adibouk. Ça, la Ola, c'est de tout donner à Kadosh Baruch Hu. Je saute une île, je vais disboire chez la mime, chez les châteaux, il faut quand même y barrer.
On a dit que dans ce Mahamad de Gerizim Areval, on a fait un misber, on a écrit la Torah sur des pierres, en Shivrim Lachon, et on a fait aussi le Mahamad de Gerizim Areval. Pourquoi tout ça? Pour dire la raison. On dit Ba'avou Ishmeru Hokota Vetorota Vinsoru. Et Tenem Ratsud Goyim. Ba'avou Ishmeru Hokota Vetorota Vinsoru. Dans Tehilim, lorsque le Tehilim qui reprend toute la sortie d'Égypte jusqu'à notre entrée en Israël, Kadouachon nous a donné Arzot Goyim, pourquoi? Pour accomplir la Torah. C'est la raison de notre arrivée en Eretz Israël. La raison pour laquelle, dès qu'on rentre, on écrit la Torah, on fait des korbanot, on fait un Gerizim Reval. Tout ce qui a été question d'écrire la Torah, de faire des korbanot, c'est être d'avec Kadouachon et respecter les préceptes de la Torah. Et pour ce qui est un Gerizim Reval, c'est tout ce qui est côté Midot. Pourquoi on fait ça en train d'Eretz Israël? Parce que justement, on veut annoncer la raison de notre arrivée et de notre venue ici en Eretz Israël. Maintenant, je dois vous donner deux réponses. C'est qui le Dev Aharon? Dev Aharon, Rabbi Aharon Ibn Hayyim. Il a 400 ans. Migdolei Apostolim de son temps. C'est un parshan de la. C'est Psakim en force de loi. Gaon Hatzon qui a écrit un parshan sur Yeshua et Shoftim. Non, du Maroc de Fès. Ah! Qui était Haver de Rabbi Vital Tzarfati, je crois qu'il était avant. Mais. 1400 avant. Pardon? 1400 c'est avant. 1400 t'as dit? Non, 400 ans. Il y a 560. Et Rabbi Vital c'est quand? 1560. Ah non, peut-être qu'il était Haver de Rabbi Vital. Parce que je crois qu'il a. Il y a des psakim dans lesquels il y a trois qui sont Hotmi, mais je crois qu'il y a. Je crois que c'est des souvenirs et il y a Hotmi. Je te fais confiance, je suis pas. Alcool panique. Il ne me reste qu'à vous expliquer finalement la seconde, la chronologie. La pondaison. Pondaison et Siamnoïse. On va faire maintenant la chronologie des événements. Si on dit que on a passé le Jourdain, on a fait Milhamet Yalikhan, Milhamet Haraï, et après on a fait Ma'avar et on a fait Argerizim Areval et tout cet épisode-là, on n'a pas de question sur l'ordre. C'est écrit comme ce que ça s'est passé. Très bien. L'Irshetim Tselomar, Olot, c'est Yerihon. On a tout donné à Kadosh Baruch Hu. Shenamim, c'est Haraï. On a eu le droit de profiter du butin et une partie qu'on a réservée pour les biens de Ram Israël. Tzebahim, c'est Sh'olot et Shlamim. Et après, on a fait l'épisode de Argerizim Areval comme ce qu'on est arrivé là-bas. Et pas sans aucun S. Si par contre on dit qu'il y avait un S, comme ce qu'il y a dans le Moran Sota, le jour où on est arrivé, on a fait un aller-retour. Et qu'après on a fait Mohamed Taha, Mohamed Ilham, Mohamed Taha. Alors pourquoi c'est écrit ici? La question de M. Al-Ahmi. Réponse. Deux réponses. La première, et c'est un leitmotiv, on le répète, sans arrêt. Le Rama Amipano nous dit que après la mort de Moshe Rabbeinu, il y avait une importance capitale à faire un arrêt, un hefsek entre Moshe et les autres Néviens. Si Yehoshua, dès son entrée en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait tout de suite Ma'amad Arsinaï avec Argerizim Areval. Parce qu'on peut dire que Bekirat Hayarden, c'est comme Kriat Yamsouf. Argerizim Areval, c'est comme Matan Torah, avec tout le peuple qui sont d'un côté et de l'autre. Ktivata Torah ba'eretev le shivim lashon matan Torah. On dit met Moshe nichnas Yehoshua met Moshe venishkar kosh mu'ato et Yehoshua b'mimko. On aurait pu faire l'amalgame et faire une zirachah entre Moshe et Yehoshua, chose que on peut faire en tant que talmid. Yehoshua est talmid, la seule nevoua qui est absolue. Adon kol nevi'im Aspakaria Meira, Moshe Kibel Torah Misinaï, tel point qu'on raconte les trucs, Moshe Kibel Torah Misinaï, dans la Kabbalah de la Torah, Moshe, il a été sa ville, uniquement passif. Il n'a été que un tuyau pour faire passer la Torah telle que Kadosh Baruch Hu l'a donnée, sans aucune itarvut ishit, sans qu'il n'ait pu rentrer aucune interprétation. Parce que si on peut rentrer la moindre itarvut, que Moshe Rabbeinu se soit mêlé de quoi que ce soit dans la Torah, on a perdu la divinité de la Torah. Parce qu'il y a une personne qui a peut-être
Donc, Moshe qui veut le temps Sinaï. Par contre, Umsara, de Yoshua, après, on a été actif, parce que c'est fini. Une fois qu'elle a été donnée telle qu'elle était, on peut être actif dans la transmission de la Torah. Moshe Rabbeinu, on ne peut pas se tromper. Moshe, Adam Kohen Vim, c'est Ehad Yud Gimel Ikarim. Fait partie des 13 fondamentaux de la Torah. Au même titre que Torah Mina Shamaim, c'est Moshe Adam Kohen Vim. C'est une paracha, mais Fourechet dans la Torah avec Korah, Varadato. On voit que la Torah passe son temps à nous expliquer que Moshe, parachat de Be'alotecha, avec tout le Moussa entre Moshe et Aaron et Myriam, Moshe il est différent. Lochen, Avdi, Moshe. Faut pas se tromper. Si on avait fait juste après Moshe et Yoshua, on aurait pu se tromper. Il peut faire un amalgame. On a posé la question pourquoi ? Je complète parce que on n'a pas eu le plaisir de t'avoir depuis le début. Ça va se moins compléter. On a dit qu'au début du Sefer Yoshua, 3000 halakhot ont été oubliés. Finalement, qui c'est qui les a retrouvés? Otniel Ben Kenaz. Question du Rama Mipano. Quand il y a Yoshua, il ne pouvait pas le retrouver. Il pouvait retrouver Yoshua, c'est trop bien. Otniel Ben Kenaz, il n'est mieux qu'il y a Yoshua. Réponse, oui, il aurait pu le retrouver. Mais Yoshua s'est fait un point d'honneur à faire un hefsek entre Moshe et les autres Lévites. Et même si lui avait pu retrouver ses 3000 à la crotte, il a préféré attendre, laisser faire un hefsek entre la voix de Moshe et la voix des autres Lévites pour ne pas qu'on fasse l'amalgame entre Moshe et les autres Lévites. Mais même sa névoie à lui, alors. Parce que lui, il est Navi aussi. Oui, il est Navi, mais il n'est pas qu'un Hachem, mais il ira. Mais Yoshua, en aucun cas, ne peut donner des nouvelles mitzvot. S'il avait continué après Moshe à faire de même des Retzef Echad, c'est-à-dire d'une Shima Ahad, d'un seul coup, d'un trait, les mêmes choses que de donner des Halachot, on aurait pu croire que de même que Moshe peut donner 613 mitzvot, à Kadosh Baruch Hu par le biais de Moshe peut donner 613 mitzvot, Yoshua aussi il peut dire. Pourquoi? C'est la continuité même de Moshe. Mais c'est pour ça qu'on comme son successeur. Son successeur, oui. C'est pas. C'est ça Moshe. Pas, ça n'est pas son niveau. Adafkar, j'aurais dit l'inverse. Oui, parce qu'il a continué. Mais c'est pas son niveau. Un Hefsek, ça montre qu'on repart sur autre chose. Oui, c'est ça, on part sur autre chose, exactement. Parce que Pnei Moshe, Kipnei Hama, Pnei Yoshua, Kipnei Levana. Moshe, c'est la lumière. C'est le macor de la lumière. Yoshua, c'est que réfléchir la lumière. Il ne faut pas qu'on se trompe la compréhension de Nevoat Moshe. On peut faire une série de shiurim pour comprendre la Nevoat Moshe Rabbeinu. Nous, à notre niveau, dans notre cadre de notre étude, on se contentera à dire que Yeshua s'est fait un point d'honneur à montrer et à apprendre les Am Israël, les Chol Adorot Kulam, pour toutes les générations, les Olam Ul Olmei Olamim, et il y a Moshe, Tzadehad, et le reste des Nevim après. Si on avait fait tout d'une traite, on aurait pu faire un malgré. Pour ça, qu'est-ce qu'il a fait Yeshua? C'est vrai, ça s'est passé dans le Jourdain. Mais la Nevoa, tel que Yeshua nous retranscrit ça, il nous le retranscrit en faisant la remèse. Ah, Zikni Yoshua, quand Ani Mevalbel, Ani Lo Mermecha, je ne te dis pas exactement tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour que tu saches, les deux autres là, Moshe Mihad, Kolch Aranevim, Meidach. Moshe Rabbeinu d'un côté et tous les autres Nevim de l'autre. Ça, c'est une première explication d'après le Rama Mipano. Deuxième explication. Le Rama Mi? Rama, Rabbi Menachem Azaria Mipano. C'est un des Mekoubalim du temps du Beth Yosef d'Italie. Pano, c'est vrai en Italie. Pano. Pani. Il y a un club de foot là-bas ou non? J'en ai pas. Deuxième explication. Et non moins extraordinaire. Le Arve Nahal, c'est un pirouche du Levouche Srad. Le Levouche Srad, c'est quelqu'un qui a écrit un pirouche sur Ola Haïm, Yuredéa, de soi, je prends un autre. Il a écrit aussi un pirouche sur le Torah. Il explique que. On le photocopiera pour la Hanouka quand on va distribuer la terre d'Israël. Lorsque Yoshua va distribuer la terre d'Israël, on expliquera exactement le lien entre le peuple et chaque parcelle de terre. On explique là-bas que lorsque Othniel il a conquis Kiryat Sefer, Goulot Elit et Goulot Tartit, on dit qu'à ce moment-là, il a retrouvé les 3000 halakhot. En faisant la conquête de ces villes-là, alors je retrouve les 3000 halakhot. Et qui réponse, chaque parcelle de terre, elle a son teneur de Kedusha, teneur de Dvekut, de lien profond entre le peuple et la terre. Le fait d'écrire cet épisode juste après le Jourdain, c'est faux.
parce qu'on n'est pas arrivé, on l'a pas conquis. Mmh. On est parti là-bas, Vénès, comme ce qu'on avait ramené, parce qu'on avait fait le pirouche sur Am Israël qui a fait le Corban Pessah à la sortie d'Égypte. De l'Égypte, il est parti en Eretz Israël, il a fait le Corban Pessah, après il est revenu. Vous allez dire, attends, mais c'est pas du jeu, alors pourquoi il nous a fait tout le. Non, 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 non. Ça, c'était Vénès. C'était la Gemara, ça, ou c'est un Midrash? C'est Yonatan Ben Roziel, sur le passage, vous voyez, ça est très mal fait, les Charim. Yonatan Ben Roziel a dit, et vous avez pris et vêtu au train les Pilousines d'Égypte vers Betamikdash. Alors, on était arrivé, donc on est déjà arrivé en Eretz Israël, tout le temps en Midrash. Non, non, non. C'est pas parce qu'on était là-bas physiquement qu'on y est arrivé aussi spirituellement. Le fait d'arriver à Argirizim, à Réval, c'est pas seulement d'être là-bas physiquement. C'est aussi pour nous une possibilité d'être arrivé après la conquête. Et allez, oh, c'est une première madriga. Haï, c'est une deuxième madriga. Et à la fin, on arrive à Argirizim, à Réval, on atteint cette madriga. C'est pas quelque chose où on arrive physiquement et on repart. Question, pourquoi Yahushua, il écrit pas dans l'ordre, il écrit dans le désordre? Première réponse, pour nous faire bien une chance pour Madrigat Moshe, Madrigat Yahushua. Pour ne pas qu'on fasse le Mahamad de Matan Torah, de Kabbalat Abrit, etc. au moment de... un événement. Au moment de l'entrée du passage du Jourdain. On croit que de même que Moshe Rabbeinu a fait Kriat Yam Souf, il a fait Matan Torah, ainsi Yahushua a fait Bekirat HaYarden et l'écriture de la Torah, et même j'allais dire c'est plus grand, puisque Yahushua c'est Beshivrim Lachon, c'est 70 langues, etc. Deuxième réponse. On ne l'a pas écrit tout de suite parce qu'on n'y était pas vraiment. On était là-bas physiquement. C'était une manière pour Akadosh Baruch Hu d'impressionner toutes les Umot HaOlam, d'aller et de revenir. Mais quand est-ce qu'on a vraiment atteint cette madriga de Argirizim HaReval? Uniquement quand on y est arrivé physiquement, en ayant conquis chaque centimètre après chaque centimètre. De telle sorte que, d'après ce Avé Nahal, chaque parcelle de terre qu'on conquit, qu'on arrive à conquérir, à laquelle on arrive, pour laquelle on se fatigue, c'est une nouvelle madriga de Mohammed pour toi, Amisra. C'est pas seulement... C'est les guerres qui font avancer spirituellement. Exactement. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, toujours, alors tu veux d'accord, disait, après Mohammed Shichet Lamy, on est arrivé à Yerushalayim. C'est une nouvelle madriga rouhanite pour Amisra. Plus notre Ahiza dans la terre, notre attache, notre arrivée, notre itiashvut, les endroits où on habite dans la terre, plus ça s'élargit, plus notre rohaniyut, elle se développe, elle se décuple. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est relatif l'un à l'autre. Selon notre degré rohani, spirituel, on arrive encore à des nouveaux niveaux de Ahiza Be'eretz Israël. Et c'est pas par hasard que maintenant, maintenant 40 ans, on a conquis Yerushalayim. Même les Umot HaOlam, ils arrivent à comprendre 50 ans, une légitimité, notre légitimité à Yerushalayim. Ça aussi, c'est un shlav. Ça aussi, c'est un niveau. Aujourd'hui, on ne comprend pas tellement la portée de cette légitimité qu'on nous accorde, mais c'est quelque chose qui est. C'est un tremblement de terre. Pourquoi? Parce que non seulement nous sommes arrivés là-bas, maintenant même les Umot HaOlam. Ils reçoivent cette chose-là. À l'image ici d'un Gerizim à la Réval, on fait une Kabbalat Torah pour nous, on écrit aussi les Shirim Lashon, on écrit en 70 langues. La Torah, elle dit juste après, mais ça de Taotam Basid, on a tout recouvert par de la chose. C'est à quoi? C'est écrit pour recouvrir, c'est à quoi? Ouais. C'est une madriga. Les Atid Lavo, ils arrivent, mais en tout cas, ils sont Shayachim. Ils sont Shayachim, ils sont. Ils ont un lien avec cette Torah. Les Atid Lavo, ils arriveront eux-mêmes à la madriga où tous seront profondément attachés à la Torah de manière effective, de manière. Tous ces Umot HaOlam. Tout le monde entier, oui. Mais pour l'instant, c'est recouvert de cette Torah. C'est au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure où le temps passe, et ben, les Umot HaOlam elles-mêmes, elles reconnaissent notre légitimité en Eretz Israël, elles reconnaissent notre légitimité avec Yerushalayim, et baiser, plus on continue dans la conquête, plus Am Israël se parfait dans sa spiritualité. Et pourquoi Yahushua n'a pas écrit alors dès qu'on a passé le Jourdain? Parce que c'était faux de l'écrire. C'était pas le moment, c'est pas faux, c'était pas le moment. Oui, c'est-à-dire c'était faux, selon l'explication du Rabbi Nahal. Mmh. C'était faux parce qu'on y était là-bas bémikré, on était là-bas physiquement, on est allé, on est revenu. Quand est-ce qu'on y arrive vraiment? Une fois qu'on a passé d'abord Yalecho, après Aïe, maintenant on peut l'écrire. Parce qu'on est vraiment arrivé à cette madriga.
Adkal.